L'art contemporain prend une place absolument vitale dans ma vie, aussi bien personnelle que professionnelle, même si son premier propos est d'être un plaisir pur de ma vie personnelle, une échappatoire, une échappée belle d'ailleurs, je devrais dire, un jardin secret, une zone où je suis en fait seule avec les œuvres, avec parfois les artistes que j'aime beaucoup rencontrer. Et donc où je résonne à la fois avec l'époque et avec le point de vue des artistes quand je peux les rencontrer. C'est central dans ma vie personnelle, mais ça a aussi beaucoup d'impact dans ma vie professionnelle, puisque je travaille dans la mode. La mode est une expression de son époque. Et donc je pense que c'est aussi une discipline essentielle quand on travaille dans ce type de milieu, de marché, de connaître en fait le monde de l'art contemporain, d'exercer une curiosité professionnelle, et puis de vivre dans un monde qui est le monde des points de vue, des formes, des images et des couleurs qui peuvent être hautement inspirants dans le domaine professionnel. C'est pourquoi ça tient une place aussi centrale, je dirais, dans ma vie personnelle et professionnelle. Je pense que les femmes ont un rapport très intime à l'art contemporain ou à leur collection, ou collection étant un bien grand mot, en tout cas me concernant, je dirais une forme d'esthétique au quotidien qui embellit la vie. Donc j'ai plus une approche, je dirais, liée aux arts décoratifs au sens fort du terme. Qu'une approche, je dirais, militante par rapport à l'art contemporain. Mais je pense que quand on dirige des business contemporains, on a besoin d'être en prise avec l'art contemporain.